Et donc je disais qu'il n'y avait pas de problème et... Waouh! Waouh! En parlant de tout ranger, je me demande si Grilby a pas eu une vente enflammée. Les seules autres fois où j'ai vu cet endroit si vide, c'est quand Jerry a essayé de faire un karaoké. Pourquoi tout le monde est parti? Ah, j'avais le pressentiment que j'allais vous voir tous les deux aujourd'hui. Yo, Grilby, tu es toujours tout feu tout flamme à l'idée de partir d'ici? Bien sûr, j'en suis à la fin là. Et tous les trois, comment ça se passe votre déménagement? Le gamin et moi, on a fini en un rien de temps, mais Papyrus est toujours en train de travailler dur comme un os. Comme d'habitude. Comment ça s'est passé ici alors? Avec l'aide du maxi-chien de mon fils, on a réussi à emmener la majorité du bar à la surface. Il y a juste quelques trucs qui restent. Eh bien, si tu as besoin d'aide pour bouger tout ce qui reste à la surface, je peux toujours te donner un coup de main. Merci, mon ami. Mais avant cela, j'ai quelque chose pour vous deux. Même si ce bar va fermer, il faut quand même que je serve mes clients. Et voilà, un chocolat chaud pour toi, jeune Frisk, et une bouteille fraîche de ketchup pour toi, Sat. Wow, trop bien! T'es vraiment LE monstre, Gulby. Tu réalises qu'on va partir de cet endroit, Sans? J'y crois tellement pas. J'étais en train de dire la même chose à Frisk avant de venir ici. Nous, les monstres, nous avons enfin trouvé ce dont nous rêvions. Ouais, mais bon, je me rappellerai toujours des bons moments qu'on a partagés ici. En fait, ce bar, c'est l'endroit où on s'est rencontrés et là on est devenus amis. Est-ce que tu t'en rappelles? Bien sûr que je m'en rappelle. Quand j'ai utilisé le vieux coup du coussin péteur dans la main, ta première réaction était inestimable et inoubliable. Sans, ce n'était pas la première fois qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu as vraiment oublié cette nuit? Bon, eh bien je suppose que c'était il y a longtemps. Non. En fait, je me rappelle très bien. Je pensais juste que t'aurais oublié ça. Tu demandes à Sans et Grilby comment ils se sont rencontrés. Eh bien, j'imagine que je peux expliquer. Si ça ne te dérange pas, Sans. Non, bien sûr. Tu peux y aller. Eh bien, voyons voir. C'était il y a à peu près 16 ans. Je travaillais dans ce bar pour mon père et j'étais serveur. J'avais 12 ans et en cette nuit particulière, j'allais juste jeter la poubelle. Je n'aurais jamais imaginé trouver ça une fois dans la ruelle arrière. Pourquoi est-ce que papa me dit toujours de sortir la... Et qui est là?